Mel, faut que je te parle. Tu peux me passer lui? Je suis rentré de boîte avec un mec. Je croyais que t'étais encore avec Cynthia. J'ai expérimenté un nouveau truc. Tu les aimes comment? Dur. Non mais je parle de ça. Hein. Moi aussi. Tu m'embrouilles. Au fond du trou. Stop, c'est n'importe quoi ce que vous me faites là. On perd toute l'attention dramatique. Remettez-moi ça de façon convaincante. Et retirez-moi cette putain d'omelette. Plan 12, partie 3. J'ai une expérience avec un mec. J'ai des doutes. Ah! Bah je ne sais plus où j'en suis. Je crois que je suis gay. Non, non et non. On la refait, mais plus naturel. Fais une impro pour voir. Plan 12, prise 4. Mais tu sais, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où j'étais seul. Mais c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste. On ne trouve pas forcément l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui t'aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, puisque comme je te le disais, moi au contraire j'ai pu. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et c'est cet amour donc, qui m'a poussé à entreprendre cet aveu. Et qui sait demain peut-être à me mettre au service de la communauté et à faire ce don. Le don de soi. Non mais déconne pas là, tu pars complètement dans ton délire. Concentre-toi, on refait. Plan 13, prise 1. Merde. Non mais sérieusement, la perche Patrick, mais la perche merde. Putain, à ce rythme là on n'aura jamais fini dans 48 heures. Prise 2. Merde. Assis-toi, faut que je te parle. Non mais je suis déjà assise. Faut que je te parle. J'ai vu un mec hier. C'est mal, Ben. La Bible l'interdit formellement. Dans l'Ancien Testament, il est clairement écrit que si un homme couche avec un autre homme comme il couche avec une femme, ils commettent tous deux une abomination. C'est contre nature, Ben. C'est interdit. Et qu'est-ce que tu crois que papa et maman vont dire? Ils l'accepteront jamais. Coupé! Bon, bah voilà, c'était pas si compliqué. Non, mais je pense quand même. Si on veut les bouffer. Ouais, ouais, ouais. Non, mais. Merde, j'ai tout effacé. Bon ben, il n'y a plus qu'à tout recommencer, hein.